des jurés des gens très intelligents et des gens concernés qui on discute en fait à chaque fois qu'on a fini de regarder un film, on se retrouve soit au resto, soit même dans la voiture, on parle des films quoi. Donc déjà on s'assoit pas autour d'une table, on parle comme ça et tout vient très naturellement. C'est des gens, des très grands acteurs, metteurs en scène, c'est des gens brillants que j'ai. Donc c'est super. J'ai l'impression que c'est assez diesel. Ça a commencé et là c'est en train de plus en plus de prendre toute son ampleur. Le cinéma est une expérience, c'est très différent de ce qu'on peut voir à la maison, sur les plateformes et les trucs. Le cinéma est une vraie expérience, il faut venir au cinéma, parce que le cinéma c'est quelque chose de plus sacré comme moment. C'est un vrai recueillement et en plus il y a des belles choses à voir. Voilà. Le film commence par la disparition d'un homme qui est le mari d'une femme anglaise qui va se retrouver à aller en France pour aller à la rencontre d'une femme qui visiblement a partagé en même temps qu'elle la vie de cet homme qui vient de mourir, qui était son mari. Bah, je viens d'arriver, mais effectivement, je vois que c'est quand même très spectaculaire. Il y a plein de monde partout, ça bouge, ça vibre, bah, c'est sympa. Parce que on a été tellement en manque de cinéma pendant tellement longtemps, là, de voir que les gens reviennent, c'est cool. Bah, c'est un message de fraternité, ce film, donc je crois qu'en ce moment, on est assez tendu en France, donc c'est bien aussi de passer des messages d'amour, qu'un loup et un lion peuvent devenir des frères, voilà, qu'on prenne qui pourra. C'est génial, passer toute la journée au cinéma, voir des choses différentes, c'est vraiment cool. Puis c'est intéressant, ça nous enrichit notre culture et si on veut travailler dans ce domaine-là, c'est parfait, c'est passionnant. C'est une très bonne expérience.